Si on l'autre semaine sous TA, c'est toujours même plateau, hein, même décor, hein, même présentateur. Hein. Sauf que nous pourrions parler de l'autre sujet, bien sûr. Vive football ou cliquez jeu sans ballon. Merci parce qu'on a supporté l'émission ça. Et pas ta souhaité qu'on prenne comme une simple formalité, mais pour dire ou lien encore, merci parce qu'on cliquez. Merci parce que ou like, parce que ou partagez, parce que ou toujours là avec l'émission. Hein. Merci en pile. Salutations, accrochez au jeu sans ballon. Nous pourrions aller. Juste avant de rentrer dans le vif sujet, qui était rapidement fait un petit point pour fanatique toute équipe, parce que je connais des gens sur page là qui aiment une seule équipe, je connais des gens qui aiment un pile équipe, je connais des gens qui aiment football tout simplement, et nous tous nous n'en doit nous parce que pas de loi qui dit faut que nous aimions 10, faut que nous aimions 10, pas de problème. Seul ça me fait nous comprendre, c'est que chaque semaine, on peut parler de Barcelone, de Real. Nous comprenons samedi noir. Ça veut dire Barcelone bat 4-1 ou encore 4-0. Nous ne pouvons pas jouer moins vite parler nous de même ça nous te connaît déjà. Et il est valable tout pour Real Madrid, il est valable pour un pile d'autres équipes encore que nous fanatiques. Nous comprenons. C'est comme si vous aimez manger et puis vous choisissez manger chaque jour. Il n'y a pas de même goût dans la bouche encore. Il faut qu'on prenne un petit temps avant de manger ça, même sur Remel. Donc, nous ne pouvons pas toujours, par exemple, Barcelone bat le week-end, ça, là, nous venons parler de lui. Real Madrid bat, nous venons parler de lui. L'autre semaine, nous battons encore, nous venons parler de lui. Il n'y a pas de sens. Vous comprenez ça, Mdoula? Et puis, vous connaissez très bien que la Ligue des Champions a fini. Par le grand pile cause pour parler. Quand le cas privé, nous prenons tellement parler de Barcelone. Il y a des gens qui prennent dire que c'est fanatique Barcelone, nous sommes sur plateau ça. Faut que nous tenions. Posez ça. Ok? Fanatique Barcelone, surtout parce que moi, c'est nous-mêmes qui plaignons plus. Semaine, ça quand même, faut que nous parlions de Barcelone. Pas de problème. Mais faut que nous posions nous. En nous prenant une notion dans l'autre équipe, tout parce que dans le cas privé, toute équipe est mélangée dans la deuxième tour Ligue des Champions. Le ça, un paquet de bagages que nous avons connu sur nous. Nous d'accord? On bien aller, non? Manchester City a joué avec Crystal Palace. Nous ne pouvons pas décortiquer le match en lui-même, mais nous pouvons parler de toute une série de détails que nous avons dit noter. Des détails qui attirent l'attention. Nous pouvons rapidement souligner sous tableau là aujourd'hui. Crystal Palace, c'est une équipe qui était, nous dit, bat Manchester City l'année passée. Et au final, il était pris 4 points sous lui. Et c'est quand même une équipe qui n'est pas facile pour quelle que soit l'équipe qui joue avec elle. Nous sommes jeunes, nous faire match nul avec Liverpool, tout. Mais tous les bat Aston Villa, son équipe qui commence la saison très bien. Par contre, c'était deuxième match côté, nous étions capables de mener sous Manchester City. Deuxième match consécutif. Il y a deux éléments importants, nous avons nous souligner dans le scénario ça qui s'est passé. On côté, nous avons questionné fragilité équipe là, défense là qui peut qu'on gagne assise. Le nous songer saison passée, la porte te joué plus avec Stones parce que Diaz te font titan blessé. Le nous songer tout, te gagne on attend à qui était très en forme, qui était commencé saison, qui malheureusement blessé Kounia. Et que nous pas oublier, il est toujours plus bon l'on gagne en défense sous on droitier, on gaucher. Parce que tous les deux ont un bon fort et bon fort ça yo ido en pile dans la défense là. Li pas indispensable mais li toujours plus bon le par exemple ou un défenseur central droit à droite ou un défenseur central gauche à gauche parce que li plus facile pour li sous pied li ni pour le sortir ballon mais tout ni pour le défendre. Et ça évite fait plus effort ou encore li éviter fait moun qui doit tient cap jouer sous côté gauche là fait plus effort. Le saliment de pousser lui même qui plus technique dans yo deux a mais attention, li pas exempté de une série de goals qu'on prend parce que ça vient sous mauvais ball là. Tout détail ça yo important dans football. Il est vrai que même j'avec basket, même incursion qu'a famé droit ou yo pral exige li le formo pour faire la main gauche, mais li pa jamais plus facile pour ou qui ont gaucher naturel. Si équipe là prend ces goals comme ça là, engendre doute dans tête équipe là, dans tête tout ensemble là. Parce que pas oublier, sous deux derniers matchs, il est vrai que Manchester City marqué 7 goals, mais il quand même prend 5 goals. Et ça ou pas qu'à négliger l'orelé Josep Guardiola. Il est vrai que jodi an la, nous capables de souligner ça. Guardiola limité contre-attaque que le Capran, dans façon li utiliser des moun takou Cancelo avec Walker. Moun sa yo a joué faux latéral. On fait un petit point sous ça. Pour moun ki pa konnen yo ou encore ki pa trop bien imbu, parce que moun jwenn des questions qui dit yo pas de comprendre position Walker sous terrain. Et c'est ça Guardiola. Eh bien, monsieur sa yo y a joué faux latéral. Faux latéral là, au lieu li fait course verticale pour l'aller vers l'avant, eh ben il fait course diagonale en dans équipe là. Il gagne particularité pour le presser dans axe là et il gagne un effet surprise que le Kabaou dans match là. Alors il toujours baoul dans match là 2 à 3 fois dépendamment de qui ça match demandé, le fait course verticale là côté que il vienne bail ailier à option pour l'ouvrir sous lien puis pour le centrer fort ou encore pour le rentrer pour le faire centrer en retrait. Ça son effet surprise que le serré dans Jacout là n'importe qui moment dans match là, il prend le baoul. Par contre li rarement al déborder pour le centrer parce que la joue faux latéral et champ d'intervention c'est axe là.
Faux latéral ça yo permet City avancer sans gravité. Ça très important. Et ça permet li décomposer 4-3-3 en 2-2-4-1. Ça veut dire élément offensif li yo pas obligé de descendre bas pour yo venir construire. Li souvent gen chance garder meilleur élément au devant grâce à présence qui gagne dans espace qui était derrière. De toute évidence, ou souvent ou gen on grain faux latéral vraiment par moment. Ça veut dire on nous dit si c'est Walker qui monte, Cancelo a prêté. Et là, ça ouvre une faux arrière. Défense là qui gagne deux mounes, deux arrières centrales, yo la donne, li vin passer à trois. Li vin passer à trois et li vin baye équipe là ont avantage 3-2 dans construction basio. Asi deux mounes qui devant défense là, bien sûr. Donc, immédiatement que li 3-2, yo ka forme triangle n'importe côté, yo ka à l'aise pour sortir. Tout moun bon obligé descendre, même joueur PSG toujours non galère pour sortir. Équipe ça gagne pile avantage. Le Guardiola joue avec une équipe qui densifie axe là, ou après gain en pile 1 contre 1 dans couloir yo. Ou après milieu relayeur là ou encore offensif là, yo souvent ouvri pour yo exploiter et couloir yo. En pile fois qu'on a Kevin De Bruyne, monsieur décalé et puis il pral utiliser qualité sans client pour mettre bombe dans rectangle l'autre équipe là. Ou souvent ouais phase de jeu ça pas vrai, c'est parce que axe là densifié. Leur comme ça, Muntaku Mahrez, Foden, Grealish, dépendamment de ça qu'a joué sous les là, yo mayen en pile boule et résultat pral dépendre de efficacité yo pour match ça. Li pral dépendre de forme yo pour match ça parce que yo pral jouer en pile un contre un depuis yo ka fait différence là, il a fini par jouer une brèche là. Et c'est là encore pour être travail important latéral intérieur parce que l'on prend deux milieux relayeur yo offensif etc., qui ouvert ou ta capable dire bon là gon problème dans axe non, latéral yo compenser des passes ça qui fait là qui vient faire que équipe la bon impression que l'a joué à plus monde que 11 joueurs. Et évidemment, il y a deux équipes qui ont un bloc qui est beaucoup plus étendu. Ça veut dire, monsieur, occupe le terrain de façon plus large, il n'y a pas trop serré. Ah ben, le constat, City a tué bonheur dans l'axe là. C'est simple. Si vous suivez bien, vous pouvez être contre Crystal Palace, Manchester City pas prendre un goal contre-attaque. Vous pouvez lui prendre deux goals sous coup de pied arrêté. Et ça me pensait que vous pouvez travailler sur lui sérieusement parce que je vous dis là, toute équipe gagne une équipe qui est là pour analyser vidéo pour vous. Et ouais qui côté au fait yo comment yo ka remédier à ça. Mais ça tout nous connaît très bien que Libral prend titan parce que saison passée Ruben Dias avec Stones monsieur ou pas de jouer ensemble trop et monsieur ou pas jamais ba impression que on connait une l'autre vraiment. Stones toujours ba nous impression que son défenseur cap flotter. L'œil folle fort vrai, l'œil pas bon, il pas bon vrai. C'est ça le problème avec Stones. Ça veut dire son monde qui pas gon juste milieu comme s'il est toujours fait et moyenne ni pas du tout. Stones ce soit Stones très bon, très concentré, ce soit Stones pas bon du tout. Bien que mitante a gagné quelques tibay pour nous dire sur lui mais en al devant. De côté on monte tankou Mahrez, monsieur poko joine sensation vraiment. Monsieur son superbe joueur. Mahrez qui gagne pour moi-même meilleure réception balle dans moment là, quel que soit Jean ballon vient monsieur Jean descend il tout collé dans pied plat. Nous clair sous ça. Monsieur avec Messi pour moi a joué dans l'autre planète tellement monsieur fort dans recevoir ballon. Par contre, Mahrez pour qu'on joue une sensation. Il est prévisible et il pas jamais joué rôle ailier intérieur lien à fond à tel point que Bernardo Silva vient corriger monsieur sous et premier goal City by le match. Bernardo Silva vient montrer monsieur mais qui ça on ailier intérieur doit faire. L'on regarde Rafinha dans Barcelone où est son ailier intérieur par moment faut qu'on rentre dans axe là ou pas qu'à tout temps à feinter a fait ti passe et latéral mais aussi a fait passe en retrait ou pas qu'à tout temps chaque fois gen boule là ou feinter et puis pap ou centrer non là tu deviens trop prévisible. Faut qu'on courir avec moun ki a voilà parfois sous l'aile là pour mener la mitan terrain pour créer un déséquilibre pour joindre l'autre espace des fois pour inciter faux latéral ou un li vinn passer dans dos ou encore pour inciter un moun takou Kevin De Bruyne joindre espace dans dos. Et pourtant Bernardo Silva pas de même rôle avec Mahrez non tout l'oeil sous l'aile là. Le Bernardo Silva sous l'aile là li son meneur de jeu excentré et sans li City pas tap tourner dans match football ça j'en tourner sans changement ça li pas tap ka fait comme ça. Grâce à changement ça à côté que monsieur prend Bernardo Silva, li décalé, li vinn bay monsieur liberté kounya pour le monter pour moi-même puis bon mitan terrain Manchester City gagne rien qui c'est Gundogan. Ou konn pour qui ça moi osé dire ça? Eh ben parce que Gundogan c'est seul grand mitan terrain Manchester City gagne qui ca jouer toute place qui gagne net dans mitan terrain. Que ce soit comme relayeur, comme milieu offensif, comme milieu défensif, il ca jouer tout et ça vinn ballon avantage. Concernant Haaland kounya, moi confirmé que Guardiola parle en obsession sous Haaland. Parce que non seulement ça a dénaturé votre équipe, mais la brand créateur, yo paraît surtout. Le nous connaît habitude,
c'est en seconde nature. Parce que si, dans tête ou, ou gon moun devant, ou ka jouer sous li bien rapidement, ou prêt, ou gon seye de effort pas fond, non? Mais si, ou konne, faut que nous kembe créativité nous, faut que nous mette dans tête nous n'a fait espace, faut que nous jouer pour nous fontical, et pour nous retirer focus, pas nous avant tout sous Alan, eh ben, n'a pas été créatif. Et la bon pour Alan, tout le fini par comprendre nous. Parce que tout petit, monsieur a commencé à alimenter Alan un peu plus, sans y'a pas rendu compte. Par contre, l'important pour yon essayer de faire plus incursion, pour yon utiliser le comme pivot, la pi utile, mes amis, ou son j'ai gol gondo en te bay, côté monsieur a te ali, te ke boule nan pour gondo en, ou son j'ai gol dot moun te bay, si te côté c'est monsieur qui fait exactement déviation pour Marco Royce là, li important pour yon essayer de faire pi souvent, comme ça, Alan a senti le pi utile tout, même l'on va faire gol. Même si n'a pas d'accord que l'on a mené sous City, hein, monsieur a vint chercher Alan un peu plus. Nous pas tant aimé ouais City cap chercher Alan désespérément tant que Juventus cap chercher Inzaghi tant que Milan cap chercher Inzaghi par moment le créateur Lio pas sous terrain non nous t'a aimé ouais on Alan qui plus alimenté nous t'a aimé ouais on Alan qui paraît vraiment une premier zam pour m'a dit premier zam offensif Manchester City qui pral kembe adversaire plus en respect derrière parce que pas oublier Crystal Palace monté sous City en pile il est vrai que City pas prend goal contre-attaque. Mais Crystal Palace contre-attaquait l'empile. Et ils ont bien été aidés par la non-alimentation de Haaland. Nous clair sous ça. Parce que on Haaland qui a bien alimenté, son Haaland qui pourrait le faire, monsieur, yo, carré défensif, là, pas monter, j'en l'ai. Nous clair sous ça. En somme, Manchester City pas perdu des matchs que le TAC a perdu dans le temps normal. Faut que nous soulignions ça, c'est très important. Deuxième élément que tu as parlé, nous, c'est ça. Yo gen ressources. Yo gen ressources et résilience. Scénario ça est bon pour faire personnalité yo à caractère yo. Y a besoin qu'un croyance ça pour saison. Oui, on équipe cap mené sous nous, mais nous ca retourner dans match là, ça très important et ça arrive au bonheur. Bien sûr, yo pral essayer faire en sorte que yo pas encaisse gol comme ça parce que depuis yo vinn solide avec qualité offensive que yo gagnent. Manchester City parti pour jouer une très grosse saison et nous capable peut-être poser peut-être nos questions ça. Manchester City semble paré plus que jamais pour le remporter Ligue des Champions. Rendez-vous l'année prochaine pour l'instant ces spéculations qu'a fait. Équipe là a mettre en place de semaine en semaine, nous commencer jouer nos effectifs qui beaucoup plus bien huilé, nous capable rendre nous compte que Guardiola a insisté avec Foden parce que il connaît qui ça Foden représenter pour lui. Foden te manqué rythme, il te manqué automatisme même genre avec Mahrez. Il commence à rejoindre petit à petit et il est bon pour lui, chance pour lui. Kevin De Bruyne entré dans la saison en bonheur, bonheur. Gundogan en forme. On monte avec Rodri à jouer sur l'autre planète. Faut que nous parlions de jouer ça. À tel point que Guardiola pour rejoindre qui Jean pour le rentrer Philips du tout dans l'équipe là. Bien que semaine ça Philips doit jouer, eh ben Manchester City là, oui. On va suivre. On a parlé de Paris Saint-Germain.